Maximo, comment nous? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédon lundi, votre chef à la maison qui rentre la caille, moi dis nous merci. Merci pour fidélité nous, merci pour confiance nous, merci pour bouche à l'oreille nous fait pour moi. Moi dis nous un grand, grand, grand merci. Waouh! Quand on a là, moi connais un carnaval en Haïti, moi vais faire un petit beignet de carnaval pour nous, ok? Petit beignet de carnaval là pour me faire, moi un grand, grand invité avec moi qui pourra aider aujourd'hui, ok? Pour me commencer là, moi je vais mettre 2 cuillères de beurre, ok? Et puis, pendant que je vais le mettre graduellement, et même invité nous va parler. Invité ça, c'est dernier petit film là, ok? Tiens, on va faire ça. Ok, qu'on a dans 2 cuillères de beurre là, qu'on a qui ça me fait, moi mettez une tasse et demie de sucre. On a nous pour commencer brasser. Moi mettez là-dedans, si vous voulez, ou te gen wa diviser jaune entre blanc et jaune, mais qu'on a là moi-même, moi pas diviser parce que le pape servir rien, c'est dans la friteuse que moi le mettez. Moi mettez 4 jaunes œufs. Qu'on a n'a brasser un peu au maximum pour que les gens pour qu'elle fonde. Après ça, pendant que je mette la recette, les ingrédients, je vous dis tout ça que vous faites. Quand on a là, nous regardons, nous voyons ça, comment c'est arrivé là. Nous voyons, il n'est pas fini de brasser net, non? Mais c'est ton affaire, ma belle. Il n'est pas fini de brasser net, mais qu'on a mis les ingrédients. Qu'on a mis un petit cuillère de sel. Quand on a là, pendant que je brasse, je vais tout mettre un peu de farine là-dedans. La recette que je fais là, c'est 3 tasse de farine, ok? Je vais mettre un peu. Quand on a la gomba, je vais dire que c'est très important. Lorsque nous avons une recette comme ça, si vous avez un petit peu de temps, vous allez participer à vous. Parce que c'est un petit beignet de carnaval, ce n'est pas rien important que ça. Ben, ça va être fun. Quand on a la mettre une couche de farine, quand on a la mettre une couche de lait. Je vais mettre 2 tasses de lait, ok? Je vais mettre un peu là-dedans. Là, doucement. Vas doucement, ok? Sinon, ça va voler partout. La madame qui est fatiguée, qu'on a pas encore dans même, soit mettez farine, soit mettez l'air, qu'on a la mettez farine. Son petit beignet de carnaval, hein, pas oublier ça. Ça, c'est 4 graines de banane, mettez bien crasé. Si vous voulez, si vous n'avez pas de banane qui était déjà trop mis, qui était dans le congélateur déjà, dans qui ça m'a fait? Dans le sucre là, nous avons tout mis les bananes pour le craser. Qu'on a comme banane bien crasé, mais nous avons des bananes là qu'on y a. Qu'on a mis les restes là, je vais finir avec farine. Là. Nan lè kèm fin brase l kon, nou e, banan nan bien fon nan dan nou pa wèl di tout. Nan nan denye kouche la, mette denye kouche farine mwen. Mwen mette yon ti kuyè de kanel. Mwen ap mette 2 petit kuyè de poule a leve. Sa nou tarle pou de levasyon. E, mwen mette yon kuyè de sans vani. Men sa mwen menm son vre vani mwen mette la. Mette yon ti kuyè. Ki kon nan la mwen brase le bi, se deja fèt kaziman. Qu'on y a là, on met ton petit zeste de citron là-dedans, ok? Qu'on y a là, il y a un monde qui compte faire. Je me songe ça, les gens en Haïti, il y a un monde qui le fait, surtout les gens de l'école. Ça vous fait vous-même, vous trichez. Vous mettez un petit peu de farine encore, vous dites que c'est trop mou. Bien sûr, vous ne faites pas trop mou, vous ne trichez pas un petit farine, vous mettez encore. Mais lorsque vous mettez vraiment farine encore, qui s'accrive, il vient dans la marinade, il vient pas sans des beignets carnaval. Beignet carnaval, l'homme, il faut le mou même. Et puis, qu'on a l'eau déposée qu'on a pour les vins censés dégonfler. Et voilà qu'on a pour le bon. C'est prêt, qu'on a là, on va le cuire. On va le cuire ce beignet de carnaval là pour nous. Qu'on a là, même on va commencer ce beignet de carnaval là pour nous. Moi, j'ai une petite friteuse à moi, je ne vais pas prendre. Moi, je vais faire recette ça dans une petite chaudière. Mais son poil lié ou même l'été noir chaudière. L'important, c'est gérer chaleur. Qu'on attend pour ça là, moi mettez à 7. Qu'on a là, il est prêt. Normalement, comme on te dit, nous était liquide là, je mettez dans ça normalement quand on commence chaud, supposé monter à la surface. Sinon, pas réussi. Ok? On a commencé. Je commence à monter à la surface. Pour compter, ça ne va pas toucher.
Rendi là ou même sous un petit monde qui fait ensemble avec vous, pas le mettre dans le feu. Hein? Ça sent bon, ça sent la banane. Maintenant, qu'on y a là, après juste on 5 minutes, là, pas plus. Là. Qu'on a là, c'est prêt là. Nous, déjà l'ontil en gonflé, normalement, quand le fil fret, regarde comment l'ontil en gonflé. Quand le fin fret, il y a une plaque. C'est ça qui ont baigné. C'est sûr que si vous mettez plus de farine à pépé, mais l'en-main, on va le toucher le temps qu'on marinade. Ok? Nous allons continuer de suite ensuite et puis après ça pour mal montrer nous. Wow. Même si on fin fait tout petit baigner de carnaval là pour nous, comme nous n'avons pas de carnaval, maman de nous pour nous consoler nous dans petit baigner de carnaval nous. Et puis nous même tout qui avons un petit banane. Si fig banane nous la canou qui trop mu, si nous gen farine, nous gen sucre, nous gen lait, toujours passer faire un petit beignet de carnaval, c'est très bon, simple, ça pas coûter beaucoup d'argent, regarde-moi ça. C'est parfait. C'est très très bon. Merci, c'était JFL Cuisine Créole, Jean Fédor lundi. Votre chef à la maison qui rentre la canou, de faire un petit beignet de carnaval pour nous. Merci, au revoir.